Salut, c'est Manuela, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un gâteau moelleux à l'ananas. Allez, suis-moi, c'est parti. On aura besoin d'une boîte d'ananas au sirop, 100 g de beurre ramolli, 90 g de sucre de canne, 150 g de farine, 3 œufs, un demi-sachet de levure, une cuillère à soupe de vanille, une pincée de sel, un bouchon de rhum et 90 g de sucre pour le caramel. Dans le récipient, on verse le sucre et le beurre bien mou, on y ajoute la vanille et on fouette. On incorpore les œufs battus et on mélange bien. On vient tamiser la farine avec la levure chimique, on mélange et on ajoute la pincée de sel. Et on ajoute 4 cuillères à café de jus d'ananas histoire de détendre la pâte. On beurre généreusement un moule qui fait 26 x 20 cm. Pour le caramel, on va mettre le sucre à chauffer et on verse environ 30 g d'eau. Ça va permettre de démarrer le caramel sans que ça accroche et surtout on ne le touche pas. On verse le caramel au fond du plat. On va disposer joliment les rondelles d'ananas. On verse la pâte à gâteau par-dessus et ça part en cuisson. Dès la sortie du four, on met un plat sur le gâteau et on le retourne tout simplement. On arrose le gâteau encore chaud avec le jus de la boîte d'ananas mélangé au rhum et on passe à la dégustation. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à liker et à partager sur tes réseaux préférés. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle recette gourmande. Bye bye !